Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite news. C'était juste pour vous tenir informés. Au début, je vais pas vous mentir, j'ai réfléchi si je la faisais ou pas cette news. Parce que je trouve ça... Enfin, sur le coup, je me suis dit, ouais, je sais pas si ça a vraiment un intérêt particulier de vous expliquer que, voilà, que la version disque du jeu, si vous allez au magasin, vous allez l'acheter, ben, il y aura que 72 mémos sur la galette. Et au début, je me suis dit, ouais... Pff, ça, c'est pas très important, mais c'est quand même son importance quand on n'est pas mis au courant que la version physique de Modern Warfare 2 contiendra que 72 mémos. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé de faire cette petite news pour ceux qui ont des petites connexions Internet? Voilà, je sais que parmi vous, vous allez attendre demain pour aller l'acheter en magasin. Vous dites comme ça, au moins je télécharge le jeu, et s'il y a un patch, eh ben, je ferai le patch. Une petite mise à jour, je ferai la mise à jour, et puis voilà, comme ça je pourrai jouer. Ben, franchement... Vous pouvez l'acheter directement dématérialisé hein, si vous voulez faire ça maintenant pour gagner un peu de temps quoi. Bon, après c'est pas forcément le même prix. Je sais qu'en commerce souvent le premier jour il y a des commerces où tu peux le trouver déjà des 15 euros moins cher. Mais pas je dis ça, je sais pas s'ils vont faire pareil pour Call of Duty. C'est vrai que j'ai pas regardé les prix. Mais c'est vrai que le jeu, attendez j'ai pas regardé, mais je crois qu'il fait plus de, enfin il fait dans les 100 gigas déjà. Et quand tu sais que le CD il contient que 72 mémos de données, c'est juste on va dire la clé pour dire t'as le jeu. Attendez, hein, j'ai lancé la console. J'aurais dû y penser avant. Alors je vais vous dire la taille. Quoi qu'il arrive, c'est plus de 100 gigas. Hein. Géré. Il fait 103 gigas. 4. Voilà, j'ai le patch et tout, j'ai tout installé. 103 gigas les amis. Ok? 103 gigas. Si vous avez une petite connexion, n'hésitez pas directement, au pire, allez directement avec votre téléphone portable. Ok. Vous installez l'application Xbox Beta. Vous l'installez, vous reliez votre compte. Et vous cherchez Call of Duty. Vous le mettez à télécharger. Et vous lancez. Vous se connectez en fait avec votre téléphone avec le modem de votre internet. Là où il y a la console aussi. En fait, vous allumez votre Xbox. Je vais essayer de l'expliquer. Vous allumez votre Xbox qui est connecté à votre internet de maison. Vous avez votre téléphone qui est connecté. Je crois, je sais pas s'il y a besoin d'être connecté au internet de chez vous, là, votre fournisseur d'accès. Vous allez sur l'application Xbox Beta, vous tapez Call of Duty Modern Warfare 2. Là, vous prenez le jeu, vous mettez télécharger. Vous choisissez la console. Normalement, la console, vous allez l'avoir. C'est pas fait, vous faites un truc, ça va se faire en 2 secondes. Ça va vous demander l'autorisation sur la console, vous mettez oui. Et ça y est, ça va mettre le jeu à télécharger, même si vous n'avez pas le jeu. Comme ça, si demain vous allez acheter le CD en magasin, vous aurez déjà gagné quelques heures. C'est toujours ça, hein. Là si vous commencez à télécharger maintenant, demain vous aurez peut-être téléchargé déjà la moitié, et voilà. On va dire c'est gagner du temps, parce que quoi qu'il arrive, quand vous allez acheter le CD, vous allez vous retrouver avec juste 72 mémos. C'est pas ouf. Voilà les amis, c'était juste pour vous tenir informés que c'était quand même la petite carotte ce soir où on apprend ça. Ben parce que ça y est, il y a des gens qui arrivent à l'avoir en CD. Alors c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à le mettre à télécharger tout de suite si vous allez le prendre en CD ou si vous allez l'acheter directement. Dites-moi si vous comptiez l'acheter exprès parce que en CD parce que vous avez une petite connexion. J'aimerais bien savoir. Bon là c'était une petite mise à jour, Non, ça sera une grosse mise à jour. Une petite news. N'hésitez pas à vous abonner. Donnez-moi des petits pouces bleus, des petits commentaires et pensez vraiment à vous abonner pour me soutenir et voilà, pour faire grossir la chaîne. Ça ferait vraiment plaisir. Allez, ciao.